Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Dans cette vidéo, nous allons voir le titrage acido-basique pour les élèves de deuxième année baccalauréat international. Alors nous commençons par une question. Qu'est-ce qu'un titrage acido-basique? Alors doser une espèce chimique en solution, c'est déterminer sa concentration molaire apportée dans la solution. Bon, l'objectif de titrage, c'est la détermination de la concentration, d'accord? Alors, on effectue un titrage lorsqu'on fait réagir cette espèce chimique appelée réactif titré avec une autre espèce chimique appelée réactif titrant, d'accord? Introduite en quantité connue. La réaction mise en jeu est dite réaction de titrage. Donc, elle s'appelle réaction de titrage. Cette réaction doit être rapide, univoque et totale. L'équation de la réaction de titrage d'un acide HA en solution par une base B en solution s'écrit sous la forme suivante. Donc, AH plus B donne A moins plus BH plus, d'accord? L'équivalence notée E, c'est-à-dire le point d'équivalence du titrage acido-basique d'une solution acide HA par une solution de base B est atteint lorsqu'on a réalisé un mélange stoichiométrique de réactifs. Qu'est-ce que ça veut dire un mélange stoichiométrique? Ça veut dire les nombres stoichiométriques étant dans ce cas égaux. Il se traduit par les deux relations. Alors, ça veut dire lorsque la quantité de matière initiale de HA est égale à la quantité de matière de la base B, alors dans ce cas, la solution de base est dans la burette. Ça veut dire et titrant. D'accord? Et deuxième cas, la quantité de matière initiale de B est égale à la quantité de matière à l'équivalence, d'accord? De HA, c'est la solution d'acide et dans la burette. Ça veut dire l'acide et le titrant, d'accord? Alors maintenant, nous allons faire un exemple, d'accord? Et nous allons prendre un acide éthanoïque et la solution de sodium. Ça veut dire le titrant, c'est la solution de sodium. D'accord? Alors, on place dans un bichère, voilà. Voilà le bichère, d'accord? Un volume VA est égal à 20 ml de solution d'acide éthanoïque de concentration CA. Il y a un inconnu, d'accord? On est ajouté progressivement à l'aide d'une burette graduée, d'accord, voilà la burette, une solution de sode de concentration CB est égale à 20 ml à l'aide d'un pH mètre, donc voilà le pH mètre, d'accord, donc on a mesuré le pH, on a trouvé 4,60, d'accord. Ensuite, les variations du pH de la solution contenue dans le bécher, d'accord? Donc, dans le bécher, il y a la solution d'acide éthanoïque, ça veut dire espèce titrée, et dans la burette, il y a la solution de sode, ça veut dire espèce titrante, d'accord? Donc, voilà de concentration CB et VA de la solution d'acide éthanoïque. Alors, la représentation graphique de pH en fonction de VB, d'accord, le volume de la base. La représentation graphique de pH en fonction du volume versé VB est de la forme suivante. C'est une fonction croissante, d'accord. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment déterminer le point d'équivalence, ça veut dire les coordonnées de point d'équivalence. Alors, il y a trois méthodes. Alors, on commence par la première méthode, c'est la méthode des tangentes. Alors, cette méthode
consiste à tracer les deux tangentes T1 et T2 à la courbe parallèle entre elles. D'accord? Donc elles sont parallèles entre elles. Ça veut dire, on va tracer T1 et C dans ce point-là et T2 dans ce point-là. D'accord? Ça veut dire deux points de virage. D'accord? Deuxièmement, tracer la perpendiculaire commune à ces deux droites parallèles. Voilà la perpendiculaire. D'accord? Et après, tracer la parallèle équidistante à ces deux tangentes. D'accord? Voilà. Donc, elle est équidistante, d'accord, et parallèle à T1 et à T2. La distance entre T1 et T est égale à la distance entre T2 et T. D'accord? Alors, elle coupe la courbe PH en fonction de VB, ça veut dire la courbe en rouge, d'accord, au point d'équivalence. Donc, le point d'intersection de T avec la courbe s'appelle le point d'équivalence E. Donc, voilà, on a trouvé le point d'équivalence. Pour trouver ses coordonnées, donc on fait la projection de ce point sur PH et sur VP, d'accord? Donc sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Voilà, donc sur l'axe vertical, on trouve PHE au point d'équivalence, PHE au point d'équivalence, et VPO, le volume équivalent, d'accord? Alors on passe à la deuxième méthode, la méthode de la courbe dérivée. Alors dans cette méthode, on trace la fonction g en fonction du volume qui est égal à la dérivée de pH par rapport au volume, d'accord? Pour tracer cette fonction en utilisant un logiciel, d'accord? Donc voilà la fonction d de pH sur d de VB, ça veut dire la dérivée de pH par rapport au volume VB. Le graphe présente un extrémum pour une abscisse, d'accord? Voilà l'extrémum, égal au volume équivalent VBE. Donc, la projection de cette courbe donne le volume VBE. Alors, pour trouver le point d'équivalence, la droite verticale passant par l'extrémum coupe la courbe PH en fonction de VB, ça veut dire la courbe en rouge, au point d'équivalence E. Donc pour trouver le point d'équivalence, on trace la verticale, d'accord, comme ça. Et voilà l'intersection de cette verticale avec la courbe en rouge, d'accord, ça veut dire la fonction PH en fonction de VB. C'est le point d'équivalence, d'accord? Donc, d'après la courbe, VBE est égal à 10 ml, d'accord? Et la troisième méthode, c'est le changement de couleur d'un indicateur coloré, tout simplement. Ça veut dire en utilisant un indicateur coloré. Alors, l'équation de notre titrage est suivante. CH3COH plus OH moins donc CH3CO moins plus H2O. D'accord? Alors, au point d'équivalence, on a la quantité de matière initiale de CH3COH est égale à la quantité de matière de OH moins au point d'équivalence. D'accord? Donc, on peut écrire la quantité de matière initiale de l'acide, c'est CA fois VA, et de la base, c'est CB fois le volume VBE, d'accord? Ça veut dire au point d'équivalence. Donc, elle s'appelle relation à l'équivalence, d'accord? Alors, on peut trouver, d'après cette relation, la concentration de l'acide. CA est égal à CB fois VBE sur VA, tout simplement. Et sachant que VBE est égal à 10 ml d'après la courbe, alors, le calcul numérique de CA donne 10-2 mol par litre. D'accord? Alors, dosage colorimétrique. Ça veut dire qu'on utilise un indicateur coloré. On peut déterminer le volume d'équivalence VE d'un titrage acido-basique en utilisant un indicateur coloré convenable au titrage. Donc, nous avons déjà parlé de l'indicateur coloré dans la leçon de transformation acido-basique. Alors, exemple,
Donc voilà quelques indicateurs coloriés, d'accord? Alors le rouge de l'utile, de la zone de virage de 4,2-6,2, BBT 6-7,6 et phénolphtaline 8,2 et 10. La zone de virage de l'indicateur coloré qui contient la valeur du pH, d'accord? La valeur qui est trouvée dans le cadre, le calcul, d'accord? De l'équivalence et l'indicateur convenable pour le titrage colorimétrique. Tout simplement, après avoir trouvé la valeur de pH, vous allez faire la comparaison de cette valeur avec les intervalles, ça veut dire avec les zones de virage. Et vous allez trouver tout simplement l'indicateur convenable. Par exemple, pour le titrage de l'acide éthanoïque par la sonde, l'indicateur convenable est le rouge de méthyle. Alors, le taux d'avancement final de réaction de titrage. Alors, placé dans un bécher, un volume V a été d'un 20 ml de solution d'acide éthanoïque de concentration CA est égal à 10 mmol par litre. On ajoute un volume VB est égal à 5 ml de solution de sode de concentration CB est égal à 20 mmol. Et on mesure le pH. Nous avons trouvé pH est égal à 4,8. Alors, maintenant, on va calculer le taux d'avancement final des réactions de titrage. Alors, on considère la réaction chimique suivante. Alors, placé dans un bécher, un volume V a été égal à 20 ml de solution d'acide éthanoïque, de concentration C a été égal à 10 mmol par litre. On ajoute un volume VB est égal à 5 ml de solution de sode, de concentration CB est égal à 20 mmol par litre. Et on mesure le pH, notre VPH est égal à 4,8. L'équation de la réaction de titrage est suivante. Donc CH3COH plus OH moins donne CH3CO moins plus H2O liquide. D'accord? Alors maintenant, on va dessiner le tableau d'avancement. Donc voilà le tableau d'avancement. Donc voilà la forme générale du tableau d'avancement. Alors on écrit la réaction chimique, d'accord? Donc on a trois états, état initial à l'instant T et état final. Donc l'avancement dans l'état initial c'est 0, à l'instant T X et état final X final. Alors pour CH3COH, on a CA fois VA, donc le coefficient c'est 1, donc CA VA moins 1 X. Donc on remplace X final par X, X par X final tout simplement dans l'état final. Pour OH-, on a CB fois VB, c'est une base, d'accord? Donc CB VB moins X, parce que ici il y a 1, d'accord? Donc on remplace X par X final. Donc pour CH3CO-, c'est le produit. Donc à l'instant, T est égal à 0, est égal à 0, la quantité de matière de CH3COH est égal à 0. À l'instant T, la quantité de matière c'est X, et à l'instant final, c'est X final. Par rapport à l'eau, il est toujours en excès. D'accord? Alors maintenant, on va chercher le réactif limitant. Donc, d'après le tableau d'avancement, on a CAV à moins X final est égal à moins X max A est égal à 0 et CBVB moins X max 2 est égal à 0. D'accord? Alors, X max A est égal à CBVB est égal à 10 moins 4 d'après le calcul. Donc, on a donné déjà les valeurs de CP, VP, CA et VA. Donc, il suffit de calculer tout simplement. Donc, pour X max 2, on a trouvé 2 fois 10 puissance moins 4. Donc, d'après ces résultats, on a trouvé que X max 1 inférieur à X max 2. Donc, X max, c'est tout simplement 10 moins moins 4. Donc, le réactif limitant, c'est OH moins, tout simplement. Donc, X max est égal à 1,0 de OH- est égal à 10 moins moins 4. C'est clair? Alors, l'ion OH- est le réactif limitant. C'est clair? Donc, N final de OH- est égal à CBVB moins X final, tout simplement. D'accord?
Donc, x final est égal à N02H-. Donc, N02H-, c'est CB fois VB, d'accord, moins N final, tout simplement, de H-, d'accord. Alors, calcul de N final au H-. Donc, la concentration de OH-, tout simplement, c'est N final de OH-, c'est sur le volume total. Alors, pourquoi le volume total? Parce qu'on parle de l'état final. Parce que d'après nous, le mélange, d'accord? Donc, N final de OH- est égal au volume total, c'est VA plus VB. Alors, N final de OH- est égal, tout simplement, la concentration de OH- fois le volume total, VA plus VB. Donc, en appliquant cette relation, ça veut dire le produit ionique, KO, alors on trouve l'expression de OH-. OH- est égal à KO sur la concentration de H3O+. Donc on a remplacé tout simplement OH- par KO sur la concentration de H3O+, fois VA plus VB. D'accord? Alors, d'après le calcul numérique, on trouve que N final de OH- est égal à 1,5710-11 mol. Donc, X final est égal à 10 moins 4, d'accord, on a déjà calculé le CB fois B fois VB, d'accord, moins N2, N final de OH- est égal tout simplement 10 moins 4 mol. Et voilà, donc on a trouvé X final et on a déjà calculé X max. Alors maintenant, on peut calculer le taux d'avancement final. Alors, tout simplement, le taux d'avancement final est égal à X final sur X max. C'est toujours, d'accord? Donc, est égal à 1, parce qu'on a trouvé X final est égal à 10 moins 4, et X max aussi est égal à 10 moins 4, donc est égal à 1. Alors, la réaction de dosage acido-basique est une transformation totale. Donc, tout simplement, lorsque taux est égal à 1, alors on dit que la transformation est totale, d'accord? Alors, on passe au deuxième cas, c'est le dosage d'une base par un acide, d'accord? Alors, dosage d'une solution d'ammoniac NH3 de concentration CB et de volume VB par une solution d'acide chlorhydrique, ça veut dire l'eau titrant, d'accord? H3O plus plus Cl- de concentration Cl. Alors, on trace la graphe, on trouve la courbe suivante, donc c'est une courbe décroissante. D'accord. Par contre, dans le cas de dosage de l'acide par une base, on a trouvé la courbe croissante. D'accord. Donc, il faut faire attention. Donc, pour trouver le point d'équivalence, alors on va suivre la même procédure de dosage de l'acide par une base. D'accord. Donc, pour le cas de la dérivée, donc voilà. C'est l'intersection de l'extrémum de la fonction dPH par rapport au volume. Donc voilà le point d'équivalence. Alors on trace la tangente. Alors la première tangente et la deuxième tangente et la droite équidistante entre T1 et T2. D'accord? Voilà, c'est T. Donc l'intersection de T avec la courbe, c'est le point d'équivalence. D'accord? D'accord, donc l'intersection de la projection de E sur PH donne PHE et la projection sur VA donne VAE. D'accord, pour faire la différence entre les deux titrages, vous devez tout simplement voir la courbe. Est-ce qu'elle est décroissante ou croissante? Décroissante, ça veut dire titrage d'une base par un acide, et croissante, ça veut dire titrage d'un acide par une base. C'est clair? Alors, l'équation de la réaction de titrage. Donc, NH3 plus H3O plus donne un NH4 plus plus H2O. Donc, au point d'équivalence, on a N0 de NH3 est égal à N équivalent de NH3O plus. C'est clair? Donc, on écrit CB fois VB est égal à CA fois VA. Tout simplement, c'est relation à l'équivalence. D'accord?
Donc, on peut trouver CB. CB est égal à CA fois VA sur VB. Ça veut dire la concentration de la base. Ça veut dire espèce titrée. D'accord? Alors, on sait que VA est égal à 20 mm d'après la courbe. Alors, on peut tout simplement calculer la valeur de CB. C'est clair? Donc, il est égal à 2 fois 10 moins 2. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Salam alaikum.